très près ce que le Français va réaliser. Et oui, sa spécialité, c'est d'accélérer ce rang aux 2 mètres. Pas besoin de beaucoup. Une fois lancé, on peut... Oh, c'est bien joué, ça ! Le but de Kylian Mbappé ! On a beau connaître son talent, on l'admire tous les jours un peu plus. Quel joueur ! On voit ce centre qui passe au-dessus du défenseur et qui va chercher son coéquipier en deuxième. S'il marque là, on s'en va. Hein. Le coup franc de Messi ! Ah ! Et, oh ! Et oui ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? D'accord ! Vas-y ! Dis-moi maintenant que non, que les autres... Que... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est ! Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Et un premier poteau, au deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne l'est pas. Mais le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le biberon. Tout, il a lui la met, pique. Au Parc des Princes, Benjamin Da Silva et donc Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateur pour vous faire vivre ce match. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League. Et on sent que tout le monde est impatient de voir débuter cette rencontre. Quand tu es favori, tu as tendance à être très confiant, à te voir très beau, très intelligent. C'est vrai que la confiance, c'est le sourire du talent. Mais attention à ne pas trop rigoler non plus. Côté parisien, voici le 11 qui débute. Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Achraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs, Danilo Pereira sera épaulé par Marco Verratti au milieu, enfin Osimhen pour occuper l'attaque aux côtés de Kylian Mbappé. Et voilà la compo officielle de cette équipe. Dans le but, on retrouve Alex Meret, Piotr Zielinski sera associé à Lobotka au milieu, et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Achraf Hakimi peut frapper, et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Zielinski. La grande attraction de ce match, c'est évidemment Kylian Mbappé. On va suivre de très près ce que le Français va réaliser. Et oui, sa spécialité, c'est d'accélérer ce rang aux 2 mètres. Pas besoin de beaucoup. Une fois lancé, on peut... Oh, c'est bien joué, ça ! Le but de Kylian Mbappé ! On a beau connaître son talent, on l'admire tous les jours un peu plus. Quel joueur ! On voit ce centre qui passe au-dessus du défenseur et qui va chercher son coéquipier en deuxième poteau. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper encore. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a coûté bien aussi. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Danilo. Verratti. Mbappé. Avec Kylian Mbappé. Pour Mbappé, pourquoi pas une frappe ? Ouais, sobre, mais efficace. Super intervention. Le ballon pour Zielinski. Ah oui, excellente intervention dans la surface. Marco Asensio. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. À la frappe pour l'égalisation peut-être. Mais comment peut-on rater une occasion pareille d'égaliser ? C'est invraisemblable. Tout le monde se prend la tête dans les mains. Les mains dans la tête. Marco Asensio. Hakimi qui perd le ballon là. Giovanni Simeone. Le ballon pour Zielinski. Ballon pour Giovanni Simeone. Ballon pour Di Lorenzo. Ah, l'équipe essaye de construire sans se précipiter pour combler le but de retard. Marco Asensio. Ballon dangereux en profondeur. Ah, quel dommage, ça ne donne rien.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.